Bon, j'ai Minecraft 1.6.7 B35 sur un bouquin. Aujourd'hui, on fait le Arrow qui est passé public il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et donc, et vu que c'est un épisode lointain de MC4 Play, vous le verrez alors que le jeu a déjà au moins minimum un mois d'existence publique. Ou un an. Ou un an, ça dépend. Ça dépend de mon niveau de flemme. Durer 5 minutes, ce jeu Arrow est un jeu simple et nerveux où le but est de gagner la partie en faisant 25 kills avant les autres. Je vais perdre. Le jeu vous dispose d'un arc qui one shot. Oh non, mais c'est un. C'est un one in the chamber, les mecs, arrêtez le plagiat, sérieux. Mais il faut bien que les serveurs français s'inspirent de quelque chose, merde. Non mais ça c'est juste OITC. T'as une flèche qui one shot, t'as une épée qui tue en 3 coups et qui te redonne une flèche, c'est. Mais oui, mais tu sais, Pitchout c'est aussi inspiré, c'était autre chose avant. Hein. Allez, c'est parti. J'ai pas dit qu'on était avec nos gardes et Fanax. Bordel, j'ai une arme. Wow. Non, je voulais te tuer, Fanax. Oui, j'ai deux flèches. C'est génial. Bon, merci. Ah, je ne suis pas mort. D'accord, je vois. Si, je ne suis mort, mais je ne le suis pas. Ah, on a un dash aussi. Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Toi aussi. Non, t'es pas mort. Bon. Merde, oh merde. Aïe, je me fais kill. Ah. J'ai utilisé un dash, en fait. Oui, tu l'ai fait. Allez. Tu as été tué. J'ai tué quelqu'un. C'est fou. Allez, Edin. Je veux dire que c'est assez inattendu. Je me suis fait tuer. Putain, j'ai peu de FPS. C'est à peine saoulant, quoi. Je t'ai loupé, CLB, tu fais chier. Eh, hey, t'as un joueur. Non. Bon. Fais chier. Merde. Ah, mais t'es mort. J'ai sauté dessus, je te mourir. J'avais plus de flèches en plus. Purée. Ok, je peux pas attendre. Pas de FPS. Moi, je peux pas prendre le risque. Je veux des FPS. Moi aussi je veux des FPS. Oui, j'en ai eu un. Bon, il y avait un mec immobile. J'ai pas compris ce qu'il a fait, mais c'est je l'ai. C'est très le téléphone. Ah. Non, merde. Oh. Je crois que je t'ai vengé. Attends, il y a un mec qui m'a. Il y a eu un lag aussi. Fiche, je sais pas. Bon, ok, j'ai pas de. Là, il y a eu un lag serveur par contre. Il y a plus rien qu'à bouger. De mon côté. Et tout le monde a raté sa flèche. Eh merde. Pas lui. Oh non, quel endroit. Je suis vraiment parmi les derniers. Ah non, même pas, je suis quatrième en fait. Nous on est dans les souterrains, on s'amuse. Quoi, d'où je suis mort? Je vois une foule de gens et je suis mort comme une merde. Je me casse. Oh, un Fanax. Non, je suis occupé. Je fais du 5 FPS, laissez-moi en paix. Ouais, merde. Non, j'ai raté ma flèche. Ah, rien. Bon, quoi. Bah, on sait déjà qui a gagné en fait. Hein, si on regarde le tableau des scores. Waouh, le tableau m'affiche devant un Joff. C'est juste inattendu. Aïe. Ah mince, un type t'a buté alors que c'est moi qui voulais te buter. Merde. Ah, tu parles de moi là? Non, je parlais de Fanax. Ouais, non, en fait, je fais du 2 FPS. Bref, rectification. Bon, je sais pas ce qu'il y a avec les serveurs aujourd'hui. Bah. Fin de la partie, je savais déjà qui. Hi Games TV. Donc du coup j'ai gagné par rapport à vous. Ouais. Voilà, c'est une petite découverte du jeu Arrow, c'est dommage que je fasse peu de FPS hein, mais. Je crois que ça vient de Fraps. Moi aussi je fais peu de FPS dessus. Ça vient de Fraps. J'ai pas assez de mémoire dans mon PC là, mon PC est quasiment full en mémoire, ça doit être pour ça. Bon, Hunger Games j'en aurais bien fait un, mais c'est à CLB de choisir le jeu. Arrow, non, pas Arrow, on vient de le faire. Bolos. Pitchout. Pitch-out. Le premier qui prononce pitch-out, pitch-out. Pitch-out. Oh, pitch-out, c'est adorable, je trouve. Pitch-out. C'est tout pitchounet, pitchounet. Pitchounet. C'est pitchou, pitchou, pitchou. C'est mignon. Machu Picchu. Oui, mais c'est... Et d'ailleurs, c'est... Oh, Tarzan. Machu Picchu. CLB, une chose pour quand tu filmes sur ta télé, comme tu l'as fait. Oh, non. Ah, bordel. Non. Oui. Baisse la luminosité de ton écran. De mon écran de télé. Oui. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça, mais. Parce que j'ai déjà essayé de baisser la luminosité en montage, mais bon, ça donnait pas grand chose du coup, vu que les couleurs étaient ce qu'elles étaient, quoi. Je pouvais pas changer le blanc en jaune par la magie, quoi. Et là, parce que Pikachu et Pac-Man étaient juste blancs comme des linges. Oui. Alors, vous en êtes à combien de vies, vous? 4. 4 et. Et moi, j'en suis à. Chose comme 3 et Freeze. Freeze, c'est bon. on a un magnifique arrêt sur image. Ah, j'ai failli faire tomber CLB. Même pas en rêve, t'es un joueur.
Il y a pas besoin de moi. Aïe, aïe, aïe. En fait, tout, la seule chose qui est animée maintenant sur mon écran, c'est l'enchantement de la pelle. Génial. Oui, et toi aussi, tu bouges pas, Fanax. T'es insensible à tout, là. Ah bah, je suis complètement bugué. Je vais taper dans le vide, on ne sait jamais. Ah bah. Non, mais c'est les gens qui vont taper sur toi. Tu vas voler comme un dingue, comme un hélicoptère quand tu vas défreeze. Ça arrive souvent, ça. Eh, mais t'as respawn. Oh merde. Oh putain, deux vies. Oh, j'ai eu 2 FPS pendant quelques secondes. 2 vies, je joue comme une merde, je ne sais plus de FPS. J'ai 3 vies. Je n'ai plus de FPS et je crois que mon PC va saturer. Bordel, une vie, parfait. C'est moi qui t'ai tué, ouais. Attends, mon PC est en état de décès avancé. Mon PC est un peu en état de décès aussi. Mon PC est décédé. Mon PC est décédé, ça fait chier, je peux plus continuer à jouer. Mon PC est décédé. Je t'ai vu mourir sous mes yeux comme une merde. De qui, Fanax ou moi? Toi. Ah non, moi. Ah, et faites F3 plus A. Ça vient de reset mes FPS. Oui. Ouais, moi ça me les reset pendant une seconde à peine et après. Ah non, moi c'est. Tiens, en fait j'ai été éliminé. Bon, Tarjov, t'es encore là donc je vais me téléporter à toi. Fanax est toujours vivant ou il est mort? Et tu peux parler maintenant, c'est toi qui as la caméra. Attends, j'offre. Allez. Oui, mais Fanax est toujours vivant ou il est mort? Je suis mort et c'est pas de c'est bon. Ça ne servira à rien. Ok, je suis en spectate dans un type en spectate. D'accord. Et tu regardes Fanax. Et Fanax est parti. Voilà. Ah, non. Ce sera une vidéo courte parce que je crois que mon PC est en train de méchamment décéder. Pas autant que celui de Fanax, mais quand même. Donc, je vais faire un petit MCK Play Fun Kill All avec Fanax qu'on voit pas trop souvent. Et voilà, c'est sympatoche. Et moi j'ai beaucoup de montage à faire. Bon, allez, on va essayer de faire un Hunger Game pour voir si ça lag. On essaye. Ah. Bon, Epicube, je crois qu'il aime pas. Hein. Je sais pas, il divorce avec Epicube. Sauf dans le lobby, hein. Le lobby et les FPS, ça va. Le lobby FPS, par contre, les jeux, ce qui est le principal. Ah, ça va. Ouais, on n'est pas dans un jeu, mais. Et là, j'en ai pris un sans kit. Hein. Les jeux sont assez lourds quand même. Bah, c'est du Epicube, hein. Il y a des tas de particules et tout. Tiens, en fait, je vous avais remarqué que depuis quelques temps, j'ai un nouveau pack. Un pack, somme toute, assez proche de l'original dans les couleurs. Mais qui est terriblement pétasse. Surtout avec les add-ons 3D et tout. Oh putain, mais meilleur coffre ever. Et forcément, dès que je prends un coffre. Bien sûr, je n'ai rien eu. Ah, j'ai un casque moi, et un plat. J'ai une hache en or et je suis un Fanax en fait. Bonjour. Tu veux me tuer ou tu veux pas me tuer? Non, je veux pas te tuer, t'inquiète pas. Ou un plastron en fer. Ou un plastron en fer. T'inquiète pas. Nos stufs. Le projectile. Ah. Fanax. Oh bah génial, merci. Il attaque les nos stufs. Hein. C'est gentil de sa part. Non, c'est pas parce que nos stufs. Hein. Ma hache a déjà deux fois moins de durabilité que... Non. T'as fait beaucoup de vie là, je crois. Merde. CLB poursuit un Fanax. Le Fanax s'enfuit. Non, non, tu ne mourras jamais. Voilà. Foiré. J'ai mis de life, il y a un type derrière moi, merde. C'est qui? C'est moi. J'ai pas de stuff. Il y a un type derrière moi qui est mieux stuff que moi, fais chier. Alors, des coffres. Les coffres, c'est bien. Fais gaffe, on est poursuivi, mec. Je m'en fous, j'ai un pantalon. Arrive. J'ai un plastron projectile protection donc. Projectile protection. Mais on se fait tirer dessus. L'univers. On se fait tirer dessus, CLB. Je m'en fous, il y a un coffre. Oh putain, une épée. Oula, il a l'air bien. Épée en pierre enchante. Oh non, connard. Je m'en fous, je t'aurais eu. J'ai gagné. Bon. Mais quel foiré. Cette trahison. Bon, tu me diras, j'ai trahi Fanax dans la première seconde de PVP, hein, mais bon. Oui, c'est... Bon, allez. Vraiment la première seconde, quoi. Dès que je pouvais attaquer, j'attaquais. Moi, j'étais là en mode, ah bah c'est sympa, tu vas pas me tuer. Y a le pote à Henri qui est mort de la main de Solguin. Le 59ème. Le pote à Henri. Ah, ça normalement, tu devrais pas laguer, Fanax. Oh, non, ça va, le Hunger Games, c'est... Ça va encore. Bon, ça va encore, mais bon, c'est Moutron. Oui. Le jeu le moins populaire du serveur, presque. Ouais, et pourtant un des jeux qui est les meilleurs selon mon goût. Hein. Ah ouais, bon. Moi, je trouve fun. Je suis en bas, quel nom à cliquer miniature à cliquer, je pourrais donner. Moi, je suis descendu en bas. Power skill gameplay sur Epicube, fun garantie. Fun garantie.
Allez, 30 secondes. J'avais dit que la vidéo s'arrêtait il y a Comment 10 minutes. Mais bon, riche en seulement 2 heures. Cliquez. Non, s'arrêterait peut-être il y a 10 minutes, t'as dit. Ouais. Mais en l'occurrence, non. Donc si on fait des jeux qui lag pas, c'est bon. Mais à retenir le hardcore. Juste lag. Que ça commence au bout d'un moment parce que c'est un petit peu chiant. Ouais. Ah. Ah. Alors. Et donc, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Alors, mais... il faut avancer, sachant que derrière toi, tu as des blocs de verre qui se placent. Le but, c'est de toucher aucun des blocs de verre ennemis et de faire en sorte que les ennemis touchent les blocs de verre. Ah oui, et au fait, c'est un gros plagiat d'un jeu de 7 Bling qui était déjà une adaptation d'un film. Donc, Oui, oui. Ah oui, et faites S3 plus attaque régulièrement parce que sinon vous allez voir des barrières en... Oh putain. Non, je suis emprisonné. Putain. Oh, c'est génial. Ok, il y a un type qui m'entend. Olé. J'ai tué quelqu'un. Purée, j'ai été entouré de verre rouge. C'est la mort. Et si vous voyez, je mène largement. Ah, mais oui! D'accord, je viens de comprendre le principe du jeu. Je me suis entouré avec mon propre verre, ce qui a causé ma mort. D'accord. Je viens de comprendre ce jeu. Il est nul. Écoute. Le fanax du Wajoli. Écoute, il faut bien une partie pour comprendre. je suis passé dans un endroit super. T'as jamais fait Ah voilà, exactement. Bolo. Je me suis retrouvé coincé. Alors, Dr. Bugs Bunny. Pas que tu me fais chier, mais c'est que. D'être mort ridicule. T'as vu comment je suis mort, Fanat? Non. Non, je sais pas, mais tu t'es pris ton propre mur. Moi, c'était encore pire parce qu'à un moment, comme je cherchais un endroit pour passer, j'ai commencé à tourner en refait un maintenant. Je me suis encerclé moi-même et puis j'essaie de m'échapper, plus je m'entourais. Non, pas un pitch shoot, un moutron. Vu que t'as compris le jeu maintenant, on en fait un. On devrait mieux gagner, c'est la vie. Je suis allé en finale quand même, j'ai du skill. Enfin, moutron. Moi, je suis allé dans le top 3. Top 2. Et puis tout le monde est allé dans le top 10. Lol. Ah. Tu peux arrêter de lui faire des références à cette personne? Il a un pseudo rigolo. Il fait lui-même énormément de jeux de mots sur son YouTube. C'est surtout une BDM. Et puis c'est surtout qu'il m'a follow sur Twitter pendant un temps. Pendant un temps? Ah. Bah, il m'a follow depuis parce qu'ils en avaient absolument rien à foutre de ce que je faisais. Contrairement à Monsieur Pianizza, s'il m'y abonnait, qui est un youtubeur que j'adore et qui me suit parce qu'il aime mes vidéos. Ça c'est un truc de dingue. Je te cœur. Ah, si tu vois cette vidéo, Pianizza, c'est vraiment super horrible. Cool de ta part. T'as tué quelqu'un, Fanax? GG. Oh putain! Non! Je voyais un mur en face, je me suis retourné d'un coup. Purée, ça s'est fait à un bloc près. Oh, on est mort aussi. Nous on a eu un lag. Oh, ah, moi j'ai eu un lag. J'ai eu un lag qui m'a retourné. En fait. Oui. C'est encore schizophrène. Il y a un lag qui a retourné notre mouton sans raison, notre personnage sans raison. C'est-à-dire qu'on regardait dans une direction et d'un coup on se retrouve dans l'autre. Ah c'est. Ouais, en fait, j'arrive. Attends, est-ce que c'est bien safe ce que je fais là? Puis j'ai. Puis après je me suis complètement écrasé sur. J'ai vu le mur jaune juste en face de moi, à 5 blocs du mur jaune, je me fais oh putain, je me retourne. Ah bah, et je me mouton, prends mon premier. Je suis instant. D'accord. Moutron, c'est un des jeux les moins populaires de Epic Cube, mais un des meilleurs. C'est un des plus fun. Allez, on fait une dernière game et puis après on vous laisse, les amis. Après, je ferai le ménage à mon PC qui est en train de dire mon dieu, non. Et dites dans les commentaires si vous voyez cette vidéo, si vous êtes intéressé par Diversity 2. Diversity 2, j'aurais commencé à publier, je pense, à ce moment-là. J'espère. Oui. J'espère. Non, parce que si j'ai pas fait, c'est vraiment que je suis un sale branleur. Je suis rouge maintenant. On est gris. On est gris. Tu es gris. Peut-être t'es comme Wellbird dans Don't Starve, qui est complètement schizophrène, moitié garçon, moitié araignée. Bon, it's me, Mario. Quoi, quelqu'un me suit? Non. Non, parce que moi je suis en rouge. Ah, alors, on a encore eu le lag, on a encore eu le bug. Oh putain! Ça c'est allez, allez, allez. Rien. Tu vois, il y a deux types qui se croisent juste devant moi, qui s'écrasent entre eux, ça fait un... Ah non, mais là par contre, c'est pas cool, mes chunks chargeaient mal. Oui, on a eu... Ben nous, on a mais eu... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était incroyable. Regardez, en gros, j'avançais, deux types étaient arrivés sur ma gauche et sur ma droite, c'était écrasé dessus, j'avais deux blocs pour passer, je suis passé.
Purée, purée, j'ai fait deuxième place. Mais parce que j'ai croisé aucun joueur. On a, en fait, on en a vu. Et à la fin, je me suis pris un mur. Pour éviter un truc. Pour éviter le bleu clair, je me suis pris un mur, voilà. Parce que le chemin était trop étroit, c'est triste. Tristitude. Bon, Epicube, avant déjà, merci à tous. Ça fait un petit moment que Epicube a passé son premier anniversaire. Gagné des choux. Je peux savoir ce que vous faites là. La vidéo s'arrête ici, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Le petit funky lol sur l'Epicube. Le cube Epic, c'est un serveur avec lequel j'avais beaucoup de mal au début et qui a des jeux très très bien. Et donc, dès qu'il haïssait, hein, c'était un hater sur ce serveur à la base. Ah bah, hein. J'étais un petit peu un hater, ouais. Non mais en gros, ce qui m'énervait, c'est qu'un serveur, un seul serveur français, soit popularisé uniquement parce que Monsieur Frigiel en avait décidé ainsi. Ça me dégoûtait. Mais quand j'ai remarqué que les jeux étaient parfaitement à la hauteur de la hype. Et c'est pas Monsieur Frigiel qui a décidé ainsi, c'est les gens qui lui ont demandé. Lui, il a accepté, c'est tout. Voilà, de rejoindre l'Epic, bien sûr, l'équipe. Voilà, ça me dérangeait pas mal avec ce serveur, je trouvais que c'est un peu malsain, mais bon. Maintenant, Frigiel a été viré, donc... Non, j'ai... donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis au revoir. Rejoignez-nous sur Twitter, c'est important. Je vous dis au revoir, c'était Salvez.